Salut à tous, c'est Stargill32 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va ouvrir le sabre laser qui est enfin arrivé de Tilumen, qui se trouve dans cette grosse boîte très longue. Et bien sûr, j'ai décidé de l'ouvrir avec vous pour qu'on ait tous les deux la même surprise. Donc on est parti pour la vidéo et bien sûr, si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. C'est parti. Le plus dur, bien sûr, c'est de l'ouvrir. Ça a l'air assez facile. Alors. On va essayer, bien sûr, de ne pas le casser. Ouais. C'est long, hein? Enfin, je suis venue à bout de ce carton. Et regardez-moi le sabre laser. Il est pas magnifique. Bon, là, c'est juste le manche. Mais rien que le manche, j'ai choisi ce style car je le trouvais bien. Il est confortable. Je vais vous le montrer. Donc, ici, on a le bouton. Il fait du bruit. Hein. On a le son. Il faut appuyer longtemps pour l'arrêter, bien sûr. Donc, ce magnifique sabre laser est enfin là. Donc, on a 11 couleurs en tout. On a le son. Ce petit bouton, comme je vous ai montré, pour l'allumer. On a la lumière qui est très belle. La lame. Que serait un sabre laser sans sa lame? Donc lame blanche. Voilà, donc je vais l'ouvrir. C'est compliqué. Il y a un film plastique. Je vais l'enlever. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Je suis un enfant. Donc, magnifique lame qui va s'animer, je pense, très vite. Mais magnifique lame. Hein. Vraiment, blanc. Donc, voilà. Qu'on va après accrocher ici. On fera bien sûr une transition pour l'accrocher. Mais avec la lame, ça fait ça. Et maintenant, je vais vous mettre la lumière. Est-ce que c'est pas magnifique? Ça fait du bruit. Magnifique. Ça a parlé, je ne sais pas ce qui se passe. Alors maintenant, on va vous faire une transition pour comprendre un peu mieux comment fonctionne ce bijou. On vous retrouve à tout à l'heure.